Prison de haute sécurité de Stonehaven, Alaska, États-Unis. Nous avons des garçons de 14 à 19 ans, malheureusement, qui sont tous morts dans le dernier accident d'avion. Et les noms ne sont pas encore révélés jusqu'à plus ample informé. Nous allons rejoindre maintenant notre reporter en direct du tribunal pour les dernières nouvelles sur l'affaire Manai à la prison de Stonehaven. Venons d'apprendre à l'instant que le juge a rendu son verdict dans l'affaire de la prison de Stonehaven. Nous n'avons pas encore tous les détails, mais apparemment, Oscar Mannheim, le célèbre condamné à perpétuité, emmuré en cellule pénitentiaire depuis 3 ans, vient de gagner son procès pour droit civique contre les officiels de Stonehaven. Les détails de l'affaire dans quelques minutes, après une page de publicité, les commentaires de M. Rankin, directeur de la prison. Hourra ! Et je dis oui ! Daddy kicking your ass, mom! Hey Rogers! Hey Rogers, écoute, merde! Qu'est-ce qui se passe? Manny a gagné son procès, le tribunal a ordonné de le sortir du trou. Ah, c'est formidable. Ouais, Rogers, il y a Rankin qui passe à la télé dans quelques minutes. Fais entendre aux copains les putains de conneries qu'il va dire. Hein? Passe-nous Canal 9 dans les haut-parleurs, mon vieux. Rogers! Rogers! Hey. Hey mec, t'as de la merde dans les veines ou quoi? Dis donc, petit con, ma merde, je la traînais déjà ici quand tu pissais encore sur les genoux de ta mère. D'accord. Ils vont tous l'entendre. Ouais, génial, mec. T'es super, espagnol. Ouais. Personne ne veut faire des prisons des cours de récréation. Nous voulons tous que les détenus soient punis et enfermés. Mais ne croyez-vous pas que l'opinion publique est choquée de savoir qu'un être humain peut être enterré dans un trou pendant 3 ans? Un être humain, oui, mais... Mannheim est un animal. Il a fait 2 tentatives d'évasion, il a pillé des banques, c'est un tueur. Il n'a aucun respect pour votre vie, ma vie, ou même l'assistance. Alors ce que la pierre fout, vous... Duncan, c'est le traitement de détention différent. Je m'en ras-le-bol, hein. Vous faites descendre, ce salaud. Mais il y a la résistance. Ne crois en rien, il est capable de tout. Je travaille dans les prisons depuis 26 ans, et croyez-moi, je sais reconnaître un tueur. Oh nom de Dieu de... Vous savez, maintenir la discipline dans les établissements pénitentiaires, c'est une des choses les plus difficiles. Si vous laissez entrer un verre, c'est tout. Hey, Jonah! Jonah! J'espère que... Hey, Jonah! ...a le droit d'être protégé.
protéger. Manny arrive ici. Ouais. Il a baisé, putain, il l'a eu. Oui, c'est super, je te vois dans la cour. Directeur, Dac. Et si, comme vous le dites, c'est un animal, alors comment expliquez-vous que les autres détenus l'aiment autant? Eh bien, parce que ce sont en grande partie des animaux, eux aussi. Vous savez, je pense qu'ils veulent. Il n'y a plus de parents dans les prisons. Ouvre la porte! Tu peux toujours gueuler, je t'encule et ton cheval avec! Putain, attends, ouvre, mon Dieu! Ce n'est pas un country club, je veux dire. À Stonehaven, la condamnation moyenne est de 22 ans. Allez, debout, condamné. Debout. J'ai l'ordre du tribunal de te faire sortir du trou. Mais je peux demander de t'y laisser en attendant l'appel, tu sais. Le tribunal acceptera. Je peux tenir 9 mois de plus jusqu'à l'appel. Je peux les tenir sur la tête, les 9 mois. Tu mériterais que je t'écrase la cervelle. Va te faire foutre. Tu le ferais pas seul. Je voudrais pas surtout me salir les mains. Je vais te laisser sortir dans la cour. Et j'espère que tu feras une tentative pour que je puisse te buter. Ça, je te le promets. Des promesses. T'avais promis de me garder au trou jusqu'à la fin de ma vie. Je t'y ai quand même gardé 3 ans. Mais je trouve que ça suffit. Tout ce qui me tue pas me rend plus fort. On verra. Fais une tentative. Et je te ferai sortir d'ici dans du plastique. Tu fais ce que tu dois faire et je ferai ce que je dois faire. Ce qui doit arriver, arrivera. Vous les appelez à l'atelier et vous les lâchez dans la cour. Dans le noir. Laissez-moi vous mettre le cul en place. D'abord, il y a Dieu. Ensuite, le directeur. Ensuite, mes gardiens. Ensuite, les chiens dehors dans le chenil. Et finalement, vous, des déchets humains de la pire espèce, qui n'êtes bons à rien pour vous et à rien pour les autres. Voilà les mecs. Le super mec. Hé, hey, Mehdi, t'es de retour? C'est moi, Jonah. Je suis aveugle, j'y vois rien. Mehdi, tiens, prends ça. Bon, allons-y, c'est bientôt l'heure de la fermeture.
Allez, je m'occupe de ton bardeur, si tu veux, Benny. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Parce que tu sais déjà, je suis sorti, puis je m'en suis pris pour content. Vous pouvez pas réussir sans moi. Vous pouvez pas réussir sans fric. Non, t'as jamais su voler une banque. Salut, Benny. Mais t'inquiète pas. Je vais te sortir de là. Sûrement pas cet hiver. Mais ça va, mon petit chéri. Ah bon? Il va te faire foutre. Qui c'est, ce... Oh, c'est un bon garçon, et puis c'est lui qui pousse le chariot de linge. Bienvenue à la maison, mon frère. Bienvenue à la maison. Pas plus que 2 mouches mortes. T'as peut-être raison, mais tu devrais pas être si dur avec les autres. Bon, je vais aller pisser. Oh, monsieur le gardien, regardez, une flotte de cul. Tu l'as laissé trop longtemps au trou, Rangers. Descends-moi ce mec, frappe, frappe, m'arrête pas, c'est ta seule chance. Allez, tiens, putain, John! Qu'est-ce que tu m'as fait? Arrête, ça suffit. Ça suffit, arrête! Oliver, tu l'as eu! Et toujours champion des poids welter, Buck Logan. Allez, viens, salope. Tu veux tirer sur moi? Tire sur moi! Allez, vas-y, connard, je suis là, tire! Allez, Hampton, fais-moi descendre! Mais n'envoie pas un tocard faire ton sale boulot! J'ai une belle cible, là! Alors, vas-y, tue-moi, je peux aller nulle part! Eh ben, vas-y! Allez, Hampton, décide-toi! Eh, connard, t'es de la merde! Allez, vas-y! Arrêtez! Non! Lâchez-moi! Donne-la! Donne-la! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te faire cracher, tes putains de trucs! Oh, mon Dieu, il n'y a personne qui va faire quelque chose!
C'est drôlement amoché. Mais je suis vivant. Il me permet de sortir dans la cour. Il veut te buter. Non, il me tend la perche. Il veut me pousser à faire le mur. Il me cherche, l'enfoiré. Tu sais qu'il fait moins 30 dehors. Je m'en vais. Tu viens. Est-ce que tu viens? Si tu veux, je t'attends. Non, mon vieux. Ici, je suis quelqu'un. Je suis chez moi, je dirige mon petit monde. Tu as un âge, on a horreur des coups de pied au cul. Je sais que je peux réussir. Alors vas-y, fais-le. Je le ferai. En tout cas, ne les laisse pas te ramener ici. Non. Je vais trouver un coin tranquille, au soleil. Mimi, la bête est dans l'escalier. On dégage. Amuse-toi bien. Toi aussi. Plein de tolards qui te regardent, mon vieux. Ne laisse pas refroidir, ça ferait trop de déçus. Tu sais, t'as des partisans. Et je t'aime. Allez, donnez vos saletés, je passe. Allez, aplatez les mecs. Je passe. Allez, jetez vos merdes, allez. Attention, je passe. Allez, vérifiez ce qui est dans le panier. Alors, qu'est-ce que tu fous? Désolé, mon vieux, ils étaient en retard en douche. Voilà. Je passe, chef, je passe. Ah, c'est toi? Oui. Comment ça va, Jackson? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? Du linge pour la blanchisserie. Hein. Jackson? J'ai une petite surprise pour toi, mon vieux. C'est quoi? Ben, tu sais, tu m'as dit que ton fils allait au Grand d'Or cette année. Oui. C'est chouette. Jackson, refile-lui ça, mon vieux. Ah, ah. Merci, Pat. Je veux te dire, moi, Jackson, comme t'es un des rares types qui a toujours été sympa avec moi, je vais te les laisser à 80 dollars. Tu sais, elles valent 200 dollars, mais pour toi, c'est 80. J'ai pas 80 dollars. Pas de problème, tu sais ce qu'on va faire. On va mettre ça en crédit, mec. C'est-à-dire, tu me les paies quand t'auras le fric. Comme ça, ça va. Pas de problème, on s'arrange toujours. Elles sont chouettes. Ouais, elles sont jolies, hein. Elles sont chouettes. Putain de merde, janvier 1985. Ça, c'est la crème des crèmes, de la minette blanche, hein, Jackson? Elle est chouette. Là, tu peux le dire, Hugh Hefner, il sait faire son boulot, le salaud. Hein. Ça, il s'y connaît. Et Jackson? Quoi? Ça peut être une blanche, mais elle est super. Oui, ben. Hé, attends, je vais te donner. Jackson, je souhaite bonne chance à ton fils, hein, tu lui diras. Merci, Ben. Merci pour tout, mon vieux. Ben, t'as vu les lunettes blanches, ça n'a pas l'air plus dépérasse, tu vas t'enfoirer. Ta gueule! Allez, mec, tu sors. Allez, 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 dépêche-toi. Allez, vas-y. Merci, petit. Je t'en voudrais ça. Hé, Manny, emmène-moi avec toi.
j'y vais. J'y vais, allez. J'y vais, nom de Dieu. Merde, j'y vais. J'y vais. Je vous le compte ici. Nanny. Hey, Nanny. Ta gueule, petit con. Qu'est-ce que tu viens faire? Eh ben, ce que tu voudras, mon Dieu. Et pour quoi? Dis donc, j'ai demain, toi t'en as qu'une. Alors je peux faire plus que me traîner. Tiens, regarde, je t'ai amené des survettes. Espèce d'enfoiré. D'accord, petit con, enlève tes freins, dégraisse-toi. Super. Ouh, maman. Oh, c'est dégueulasse. Ok, Manny, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu fermes ta gueule, tu parles trop. On y va. Il faut aller là-dedans. Moi, j'y vais. Le sac. Remets la plaque. Oh, merde. Moi, j'aime pas ça. Allez. Allez, viens. J'arrive, Mickey. J'arrive. Allez. Oh, ça chlingue de ton merde. Quoi, t'es jamais allé dans un égout? Non. Vas-y, prends ça. Ah. Ah, mais je vis les mains dans la merde. T'inquiète pas. Elles vont se raser. Allez, donne-moi ça. Si tu dois dégueuler, c'est l'endroit. Oh, oh putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, la vache. Ils vont en chier dans son falzard. Hein? Ramkel, ils vont en crever. Et Benny. Et Benny. Benny, où est la torche? Elle est tombée. Où elle est tombée? 100 mètres en dessous, dans la rivière. Mais merde, mais personne ne m'avait parlé de 100 mètres. Je le garde. Personne t'en a parlé parce qu'on t'avait pas invité. Fais demi-tour si tu veux. Ah non, ah non, moi j'y vais. Ah non! Benny! Benny!
passé par là. Et aucun doute. Il a réussi. Le salopard, il a réussi. Bon, d'accord. Arrêtez les recherches dans la prison. Vous prévenez la police et vous diffusez leurs photos. Vous savez ce que vous avez à faire. Mon Dieu, ne les tue pas. Laissons-moi le faire. Encore un kilomètre. Oh merde! Des chaussures! J'ai besoin de chaussures, merde! Se banc contre la porte. Quoi? Il me faut absolument des chaussures. Et tu sais, c'est incroyable, mon vieux. Il y a deux autres gars qui se sont évadés une fois. Et toi, t'as baisé ce connard trois fois. Ouais. Oh, mais avec une déculottée pareille, Renken, il va être foudrage, le mec. Oh là là. Les copains, mon vieux. Oh, mais ni les copains. Je peux te dire une chose. Ils doivent jubiler. Arrête, connard. Ben, enfin, ils se quittent pas, personne ne nous entend. Je te dis de pas faire ça. Hé, hey, Manny. Ne me traite pas comme un tocard. T'entends? Ça te plaît pas? Non. Alors, tu veux te battre? Rentre-moi dedans. Eh ben vas-y, viens. Ah non. J'ai pas envie de te donner une raison de me tuer, Manny. T'as pas intérêt. D'accord. Faut que je trouve des chaussures, Manny. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi des chaussures. Attends, je veux ça, Manny. Moi, je pense ça. Ouais. Il faut des chaussures. Il faut des chaussures. Benny, regarde ça, mec. Regarde ça. Prends un coup pour ton ventre et passe là. Oh, putain de merde. C'est du super. Allez, viens. On y va. Attends, attends, il faut des chaussures. Il faut des chaussures. Il y a des chaussures. Il y a des chaussures. Voilà, voilà, il faut des chaussettes. Ça y est, j'ai des chaussettes.
Donne-moi une petite minute. Juste une minute. Ça y est. Allez, on saute dans celui-là. Est-ce que tu sais où il va? N'importe où, c'est bon pour moi. Ils vont pas tous quelque part, je veux pas aller sur une voie de garage. Regarde ça. Quoi? Voilà ma limousine pour Broadway. Pourquoi? Pourquoi celui-là? Parce que je le veux. Merci, Jésus. La vache. La vache. Ça, on peut dire qu'on fait une sacrée équipe, hein, Dieu. Tu trouves pas? Ces gars-là. Poulavski, allô, Poulavski? Poulavski? Ici, Cassidy. Al est tombé de sa loco. Il est mort. Il y a un trafou qui se dirige vers toi sur la voie 2. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? 4 unités. Faut que tu les arrêtes, bordel. Parle plus fort, Poulavski. Ah oui, mais... D'accord. Tu l'aiguilles sur la voie 11. Je peux pas. Il est trop tard. Allô, centrale? Putain de centrale. C'est une urgence. Décrochez-moi ce putain de téléphone. Oh, nom de Dieu, si on pouvait en avoir de comme ça ici, mais faut pas rêver. Ruby, tu réponds au téléphone. Dépêche-toi, Ruby, t'es assez jolie comme ça.
Oh merde, elle bouge pas son cul cette feignante. Je me demande pourquoi on t'a donné ce boulot. Ah oui, Central, Dave Prince à l'appareil. Allô, c'est Poulaski, passe-moi Barstow. Ah oui, attends Poulaski. Attends mon cul, oui. Où est passé Barstow? On a une urgence, une super urgence. Un train de 4 unités sans mécano. Quoi? Je te dis qu'on a un train fou de 4 unités, personne à bord et il arrive droit sur nous. Oh, Ruby, va chercher Franck. Cours, dépêche-toi. Mais dépêche-toi, merde, on a une super urgence. Bon, alors, il arrive ou quoi? Écoute, c'est pas le moment de décoller. Attends, Poulaski, attends, il arrive. Téléphone, Francky. Franck, mange-toi le cul, ça urge, il y a un train fou sur la 11. Dépêche-toi. Central, je suis là, Poulaski. Il paraît que t'as un problème. On a un train fou sur la 11. Le con de mécano est tombé du train. T'es sûr qu'il y a personne d'autre à bord? Comment veux-tu que je sache? Il a déjà fait 15 km et il prend de la vitesse. Déjà 15 km? Mais oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, gueule pas comme ça! Veux-tu te calmer? Oh. D'accord, d'accord. Bon, alors voilà ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu l'aiguilles sur la principale en voie 1. D'accord. T'as compris? Oui. Et moi, je vais dégager la voie. D'accord, Franck. On aurait dû accrocher des wagons de marchandises. Ah, mais souris, putain, quand on est libre, ouais. Tu crois ça, hein? Ouais. Hey, Benny, je veux que tu saches que je suis fier de faire équipe avec toi. Écoute, Dave, j'apprécie que tu m'aies aidé, mais on fait pas équipe tous les deux. Et sois pas fier de toi, y a pas de quoi. Regarde-moi ces tatouages. Ah, ça, il serait parfait au bord d'une piscine à Acapulco. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter que tu me traites comme de la merde? Tu sais rien de rien, mon pauvre vieux. Venir avec moi, c'était déjà stupide. Je suis en guerre contre tout le monde, avec le monde entier. Et toi, tu as laissé des plumes. Je te comprends pas. Ah, les violeurs sont toujours un peu bêtes. Les violeurs? Mais putain, je suis pas un violeur. D'où est-ce que tu sors ça? Ton dossier à la prison, bouclé pour viol il y a 2 ans. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vis-à-vis de la loi que c'était un viol. Elle avait 15 ans et j'étais plus âgé qu'elle. Ah, j'aime mieux. Mais ça va pas, la tête, tu veux de la compagnie? Pourquoi? Pourquoi, tu crois vraiment qu'il y a des gens en train de nous surveiller? Je ne crois pas, moi, je sais. Il prend de plus en plus de vitesse. Il sera dans votre secteur en un rien de temps. Les freins sont en train de cramer. T'es dingue! Les freins du train fou viennent de cramer. Mais comment c'est possible? Ils n'ont pas été vérifiés? Probablement que le mécano les avait serrés à fond. Nom de Dieu! Le voilà. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une femme et 2 gosses, mon vieux. J'ai pas la fortune de... Calme-toi, calme-toi. Tu sais bien que ce système est à toute épreuve. Pourquoi? Parce que tu l'as conçu? Exactement, petit, et je sais m'en servir. Laisse-moi te montrer. Non, mais tu rigoles. Nom de Dieu, ces salopards n'ont pas pu aller si loin. Nous sommes en train de nous geler les fesses pour rien. Ferme-la et ne quitte pas le glacier des yeux. Ce gars-là, je vais te dire. Ce que je ferai, il peut le faire.
Tu sais, j'étais en train de penser à cette banque que t'as dévalisée à Reno. Ouh là là! J'étais en maison de correction, hein, putain, c'était vraiment super. 2 millions de bons dollars, j'appelle ça un gros coup. 2 millions, c'est une légère exagération. C'est l'assurance qui a évalué. Alors, ils gonflent la somme. Ouais, mais c'était quand même un coup génial, mec. Là, je peux te le dire. Hey, mais... Je connais une banque, en dehors de San Francisco. On peut se faire un demi-million. Ils ont la paye du personnel des sucres SCH. Les sucres SCH, ça, je peux te dire que c'est une grosse boîte. Ah, j'y rêve depuis un bon moment, un super coup. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais m'en payer. Oh? Oh oui, je te jure. Ça sera tous les jours Mardi Gras. Et la fête à Las Vegas. Et je pourrais me balader avec assez de fric en poche pour avoir de belles salopes. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais... J'ai passé pratiquement toutes les nuits de ma chienne de vie à rêver à des putains de conneries de ce genre. À rêver? Ouais. Les rêves. C'est de la merde. Tu vas rien faire de tout ça. Et je vais te dire, moi, ce que tu vas faire. Tu vas te trouver un job. Et oui, c'est ça que tu vas faire, de chercher un petit boulot quand ton lard peut se dégoter. Un truc comme vider les cendriers dans une cafétéria ou nettoyer les chiottes. Et tu vas te cramponner à ce boulot comme à Parce que c'est de l'or. C'est moi qui te le dis, c'est de l'or. Tu écoutes quand je te parle? Et quand le patron viendra à la fin de la journée, et qu'il vérifiera ce que tu as fait, il faudra pas que tu le regardes dans les yeux. Il faudra que tu le regardes le sol. Parce que t'auras pas envie de voir dans son regard la peur qu'il aura de te voir l'attraper la gueule et de la taper par terre comme un fou. Et de lui faire crier pitié pour que tu lui laisses la vie sauve. Alors les yeux, tu les gardes vers le sol. Tu m'écoutes quand je te parle, espèce de petit enfoiré. Il inspectera toute la salle pour voir comment t'as fait ton boulot et il dira « Oh, mais dis donc, t'as oublié ce coin-là. T'as pas nettoyé cet endroit-là et ce rebord de siège, il est plein de poussière. Et toi, tu ravaleras ta souffrance et ton orgueil et tu nettoieras son rebord de siège et tu le nettoieras bien jusqu'à ce qu'il brille comme sous neuf. Et le vendredi, tu seras bien content de prendre ton chèque. Et si tu pouvais faire ça, si tu pouvais faire ça, tu pourrais être président de la Chase Manhattan Corporation. Si tu pouvais faire ça. Eh ben pas moi, mon vieux. J'ai pas envie de faire ce genre de conneries. Je préfère qu'on me refoute en tôle. C'est bien dommage, jeune con. C'est bien dommage. Bah, toi, tu ferais ce genre de conneries? J'aimerais pouvoir... J'aimerais pouvoir. Centrale, centrale, numéro 12, direction ouest, numéro 12, direction ouest. Barstow, j'écoute. Et pourquoi vous nous stoppez? Il y a un train fou qui vient vers vous sur la voie 1. Vous entendez? Numéro 12, répondez. Mais je ne vois venir aucun train fou. Si vous étiez assez près pour le voir, vous seriez mort, compris? Il est à 5 ou 6 kilomètres. Je veux que vous passiez immédiatement sur la voie 2. Je répète, immédiatement. Oh mon Dieu. Non, tu es sérieux? Hé, hey, Ruby, qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, vous n'avez pas le droit d'entrer là. Pas chier, Ruby.
Qu'est-ce qui branle ce numéro 12? Il se traîne. Mais qui c'est cet incapable qui est là-dessus? Qui plante son cul, ce qu'on est, vite! Je te l'avais pas dit, je le savais bien qu'il y avait une couille quelque part. Oui, mais on est peut-être simplement sur un train express. Mais merde, avec toi, du con, tu vois pas qu'on a défoncé ce fourgon sans même ralentir? Je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Regarde, regarde, les garde-fous ont été arrachés. Peut-être que le mécano a éclaté. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un mécano, ça crève pas comme ça. Pourquoi le sifflet a même pas marché, hein? T'es fou, qu'est-ce qu'il prend? C'était juste pour voir si le sifflet marchait. Tu dis que le mécano est peut-être mort? Lâche-moi! Si tu crois qu'on joue aux gendarmes et aux voleurs, tu te trompes. Oh merde! C'est toi qui as choisi ce train! C'est vrai. Ouais. Appel hélico 1, répondez s'il vous plaît. Police, appel hélico 1. Nous avons un renseignement sur les évadés. Röntgen, c'est un appel pour vous. Le service de sécurité des chemins de fer a appelé. On a trouvé une tenue de prisonnier dans une gare de triage, sans doute celle de Logan. Ils sont allés aussi loin que ça? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis là-bas dans 10 minutes. Envoyez-moi des renforts sur place. Bien reçu, on arrive. Je sens qu'on va s'amuser. Peut-être pas rester là-dedans. On devrait peut-être simplement en sauter du train, qu'est-ce que t'en dis? Allez, ça c'est une bonne idée pour se casser le cou. Oui. Mais c'est pas con ce que tu dis. Faut savoir ce qui est arrivé. Ah oui, et comment on va faire? On va aller voir à l'avant. Oui. Oui, il faut savoir ce qui s'est passé. On va aller voir à l'avant, qu'est-ce qui déconne. Moi, je prends ça. Pourquoi faire? Tu planques ça sur toi. Bon. Et tu attends que je te le dise ou que je te fasse un signe pour attaquer. Ouais. Ouais. Surtout ne parlez à personne du train fou. Ne paniquons pas les voyageurs. Avant tout, il faut penser à la réputation de la compagnie. Quelles sont les dernières nouvelles sur ce train? Il a défoncé le fourgon arrière du 12 direction est. Ah bon? Il y a des blessés? Aucun. Et qu'est-ce qu'il a eu, le mécano? Ah, il a une crise cardiaque, ce vieux con. Il a fait chier tout le monde pour qu'on mette pas ce vieux taco à la ferraille, le salopard. Fauteuil. Quelle est sa vitesse? 110 à l'heure. Et Barstow, pourquoi vous l'arrêtez pas? Vous avez mis ce système en place.
Il a coûté 4,5 millions à la compagnie. Écoutez, Eddie, ce système est conçu pour aiguiller des trains avec mécano, pas pour arrêter des trains qui n'ont plus personne aux commandes. Les freins serrés à bloc ont complètement cramé, le contrôle de vitesse est bousillé depuis la collision. Mais ne vous inquiétez pas, Eddie. Nous allons tout faire pour éviter d'autres accidents. Frank, j'espère que tu n'as pas oublié le pont de Seneca. Dave, va nous chercher du café, s'il te plaît. Ce pont a un problème? Je suis là pour m'en occuper. Dites-moi quel problème il a. Je rappelle juste que Seneca est un vieux pont. Alors, tu vas nous le chercher, ce café, Dave? Monsieur McDonald, le temps que le train fou arrive au pont, il va faire du 140. La vitesse limite pour ce pont est 80. Vous le déviez à l'embranchement de Jordan et vous le faites dérailler. Bonne idée, monsieur. Mais j'en ai rien à foutre de votre approbation. Vous faites dérailler cette saloperie. J'en ai rien à foutre des locaux, moi. Je veux pas perdre le pont. Ce système est conçu de telle façon que je peux virer tout le monde de la voie sur laquelle il est. Pendant ce temps-là, on pourra trouver une solution. Eh bien, faites-le tout de suite. Ce ne sont que 4 machines, sans personne à bord. Et si je vous laisse vous branler avec votre système, cette espèce de monstre finira tôt ou tard par tuer quelqu'un. Vous savez ce que ça peut coûter à la compagnie? Vous le savez? Faites-le dérailler. C'est un ordre. Si c'est un ordre, on le fait dérailler. Seulement tous ces gens sont témoins. C'est vous qui l'avez décidé, Eddie. Oui. Oui, c'est moi qui l'ai décidé. Ici Centrale, j'appelle Jordan. Centrale, appelle Jordan. Poste d'aiguillage 40. C'est une urgence. Poste d'aiguillage 40. Répondez, c'est une urgence. Centrale, appelle Jordan. Poste d'aiguillage 40, répondez. Et où est-ce que vous êtes, maire? Centrale, appelle Jordan. Jordan, ici poste d'aiguillage 40. Ici Centrale. Il y a un train fou sans mécano qui vient vers l'ouest sur la voie 1. Vous allez l'aiguiller sur la voie de garage. Utilisez l'aiguillage manuel et tirez-vous. C'est monsieur le directeur McDonald qui veut qu'on le fasse dérailler. Oui. Alors vous retenez bien, monsieur Eddie McDonald. Oui, oui. C'est pas vrai, quelle saloperie. Quel dieu de merde. Je te l'avais dit. Je savais qu'il y avait un mécano sur cette saloperie. D'accord, T. Allez plus fort, siffle plus fort. Poste d'aiguillage 40 à Jordan. Centrale. Dites donc, j'ai cru entendre que vous disiez qu'il n'y avait personne sur le train fou. Oui, c'est vrai. Alors laissez-moi vous dire une chose, monsieur. Je pense que c'est faux. Le sifflet. Quelqu'un fait marcher le sifflet. On ne le fait plus dérailler. Courez, grand-père. Courez, changez l'aiguillage. Il y a quelqu'un qui fait marcher le sifflet sur ce putain de train, et vous, monsieur McDonald, vous l'auriez tué comme ça.
Respectez bien les signaux de ralentissement. La voie va être dégagée d'une minute à l'autre. Et maintenant, soyons sérieux. On passe au prochain obstacle. J'aurai ta peau, vieux tas de ferraille. Tu vas voir. Dis-moi, franchement, t'aimes les anchois? Je me rappelle pas en avoir goûté. Ben, si t'en avais goûté, tu l'aurais pas oublié, mon vieux. C'est moi qui te le dis. Viens voir. Regarde. Je crois pas qu'il nous ait vus. Très bien. Très bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'ils viennent d'abord. Et ensuite, on se jette sur lui dès qu'il aura passé la porte. Ah. Mais on va quand même pas le tuer? Non. Ah bon? À moins qu'il est forcé. Oh putain. On va savoir ce qui s'est passé. Ouais. Ah ouais, c'est pas con ce que tu dis. Oh merde! Mais il a l'air d'avoir des problèmes. Tiens, on va lui donner un coup de main. Mais faut lui donner un coup de main! Ici. Oh, ce que moi je fais ici? Je travaille sur ce train et vous, qu'est-ce que vous faites? Hein, nous, ce qu'on fait ici? On va te dire ce qu'on fout ici. On est en route pour Las Vegas. On doit rencontrer notre meilleur ami. Ouais, Newton. Pourquoi? C'est vous qui contrôlez les billets ou quoi? Et dis donc, ma chérie, et ça te dirait de te faire tringler un bon coup? Vas-y, essaye! Vas-y, essaye! Et arrête tes conneries! Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais très fatiguée et je me suis endormie. Je sais que j'aurais pas dû, mais je l'ai fait. C'est comme ça. Ma tête a cogné quand on a défoncé ce fourgon. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on est sur un train qui n'a plus de mécano. Il n'y a plus personne sur ce train à part nous. Cette conne dit n'importe quoi. On a entendu le sifflet. Non, c'est moi qui l'ai fait marcher. Ouais, tout ce que tu veux, c'est qu'on soit plus sur nos gardes pour nous baiser. Écoutez-moi, ce train va finir par s'écraser dans n'importe quoi à toute vitesse et je suis venue à l'arrière, là où c'est le moins dangereux. Ça, c'est clair, non? Allez, tout ça, c'est du baratin. Vous ne me croyez pas? Alors regardez dehors si vous ne me croyez pas. Regardez à quelle vitesse on roule. Ce train n'a plus de conducteur. Mais enfin, merde, on risque d'y rester. Alors, faut faire quelque chose pour empêcher ça. Et cette aide qu'on a sur le train? Une femme? Nom de Dieu! Est-ce qu'elle sait conduire une locomotive? Mais merde! La seule personne qui est sur ce train, c'est une femme. Ça, j'ai de la chance. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le directeur de Stonehaven. Il s'appelle Rankin et il veut vous voir. Non, j'ai pas le temps. Il dit que c'est très important. Il est au courant pour le train fou? Non, je crois pas. Oh, dites-lui qu'on le verra plus tard. D'accord. Et t'as combien du pont? Vous avez le temps estimé? Oui, 25 minutes. Oh! Garde Seneca, garde Seneca. J'écoute. Ici McDonald, au contrôle central. Il y a un train fou qui vient sur vous à 130 à l'heure. C'est trop rapide pour le pont. Mais oui, je le sais que c'est trop rapide pour le pont. Je veux que vous rassembliez tout de suite l'équipe de secours. Mais enfin, vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais oui, bien sûr qu'on va l'arrêter. Mais je vous dis de vous tenir prêt au cas où, hein? Oh, le connard. Ah.
Arrêt en cas d'urgence. Ça ne servira à rien. Oh! Je vous l'ai dit, j'ai déjà essayé sur la seconde loco. Pourquoi? Je ne suis pas un expert, mais je sais que chaque fois qu'on accroche ensemble plusieurs locaux, toutes les commandes viennent de la loco de tête. Si on stoppe la loco de tête, toutes les machines stoppent. J'arrive pas à croire que c'est vrai. On réussit à s'échapper d'une prison de haute sécurité pour se retrouver sur un train sans mécano avec cette petite conne et ses mauvaises nouvelles. Vous vous êtes évadé de Stonehaven? Oui, et alors? Mehdi. Pourquoi tu lui as dit ça? C'est toi qui lui as dit. Mais qu'est-ce que ça change? Tu crois qu'elle va appeler la police? Non. Eh bien, vous avez choisi le mauvais train, messieurs. Pourquoi t'es pas allé sur la loco de tête? Comment ça se fait que t'es venu ici? Il est impossible de passer de la seconde à la première loco. C'est un vieux modèle aérodynamique qui n'a pas de plateforme. Il y a une porte à l'avant, j'ai essayé, mais elle a dû se coincer dans la collision. Oh, merde. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils sont au courant pour le train? Ah, ils sont au courant depuis qu'on a heurté ce fourgon. S'ils se réveillent, il va y avoir des flics partout. On les aura sur le dos dès qu'ils arrêteront le train, si jamais ils y arrivent. Rankin couvre tout le territoire. Oui, et il peut nous retrouver. Non, j'abandonnerai jamais, peu importe ce que j'aurai à faire, peu importe qui devra mourir, je lui donnerai pas ce plaisir, il n'en est pas question. Je veux pas mourir, Manny. Je ne les laisserai jamais me prendre vivant. Toi non plus, hein? Je sais pas, mon vieux. Je sais plus ce que je pense sur rien. J'arrive même plus à réfléchir. T'as qu'à faire ce que je te dis, c'est pas le moment de chier dans ton froc. Si je t'ai laissé me suivre, c'est pas pour que tu craques maintenant. Ne sert à rien, mec. Si on saute à cette vitesse-là, on n'a pas une chance. Écoutez, moi, je peux pas sauter. C'est du suicide. Si vous sautez à cette vitesse, vous n'arriverez qu'à vous rompre le cou et après... Je me suis rompu plusieurs fois. Je suis avec toi, Manny. Et j'irai jusqu'au bout avec toi. Vous ne sauterez pas. Non. Vous ne me laisserez pas seul ici. J'en ai rien à foutre que tu viennes pas. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit dès le début, nom de Dieu? Parce que je pense qu'on ne l'arrêtera pas complètement, mais on pourra le ralentir beaucoup. Alors, dis-moi comment. Si on peut couper le raccordement de câbles électriques qui se trouve entre les locaux, chaque loco va s'arrêter et va ralentir l'ensemble. Seulement, c'est pas facile. Oh, attendez. Tout doit être gelé et on n'a pas les bons outils. Mais c'est une chance, c'est mieux que de sauter à grande vitesse. T'as pas intérêt à nous mener en bateau. Mais dites donc, qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas à me menacer? Allez, on y va. Celui-là! Celui à côté de la plage? Oui, oui!
par Delkins en direction de l'ouest. Aiguillage prévu dans 25 minutes. Le train fou, il vient de ralentir. Il est à 130 et sa vitesse est constante. Mais il était à 150 il n'y a même pas une minute. J'y comprends plus rien. La fille, elle est arrivée à le faire ralentir. Oh, que ça peut foutre 130 ou 230. Le pont ne tiendra pas de toute façon, alors. Et t'as combien du pont maintenant? 5 minutes. Allons-y. Ouais. On peut essayer avec l'extincteur. Ouais. Ouais. Se ramène. Le temps est estimé à 3 minutes. Remontez-moi, putain! Ellie! Ah! Ellie! Rattrape-la, rattrape-la! Je te ferme. Accroche-toi à moi. Accroche-toi à moi. Très bien. Prends ma main. Passez-moi le contrôle central, vite. C'est vraiment dingue. Quoi? Il y a 3 personnes sur ce train. Oh, mon Dieu. Et d'où ils sortent ces enfoirés? Ça, j'en sais rien. Mais on a sauvé 3 vies. Pas pour longtemps. Dave, fous-moi la paix un moment. Fous-moi la paix, merde. Je voudrais bien, Frank. Il ne nous reste que 5 minutes. 5 minutes pour virer le train de la voie 1. Sinon, on aura une belle collision avec l'Express Nord-Est. Ça, c'est pas grave, mon pote. On n'a qu'à l'aiguiller sur la voie 14. Bonne idée, Frank. Pourquoi on l'envoie pas sur Elkins? Et alors? Ah non, là il y a une usine de produits chimiques. Il ne négociera pas la courbe à ses. S'il se renverse, il va toucher cette putain d'usine et les produits toxiques vont se répandre jusqu'au Kansas. Je vais les prévenir. Petite, il faut que je te dise merci. Je veux dire que sauter, c'est une chose, mais se retrouver enroulé autour d'un arbre ou d'un poteau, ou bien se retrouver paralysé au fond d'un fossé, avec une bonne fracture du bassin à attendre les flics, quel gâchis!
Ah oui, mon vieux, ça, c'est vrai ce que tu dis. Et regarde, on y est presque. Allez, viens, Minnie. On va la mater, cette saloperie. C'est ça, la porte? Oui, c'est ça, mais elle est bloquée, j'ai pas pu l'ouvrir. T'inquiète pas pour ça, chérie. Des portes, on en a défoncé toute notre vie. Non, Minnie, laisse-moi t'aider, laisse-moi essayer. Laisse-moi t'aider. Arrête, Minnie. Fais pas chier. Tu arriveras pas avec ta main. Merde. Merde. La merde. Prenez-le en ouest à McCaseburg. Aiguillez-le sur la voie de garage de Belleport. Alertez l'équipage de secours. Faites évacuer l'usine immédiatement. Envoyez tout le monde le plus loin possible de l'usine. Vous avez 10 minutes pour ça avec de la chance. Foutez-moi la paix, vite! Monsieur Barstow, j'ai 2 prisonniers extrêmement dangereux en cavale. Eh bien, moi, j'en ai rien à foutre de vos putains de prisonniers en cavale. J'ai une saloperie de train meurtrier sur les bras avec 3 personnes à bord. Et il ne me reste plus qu'une seule voie de libre pour m'en sortir. Et... alors maintenant, faites-moi le plaisir, si vous voulez pas que je vous sorte par la peau des fesses, de vous tirer! Immédiatement! Vous, vous surveillez ça. Moi, il faut que j'aille pisser. Bon. J'espère que vous n'aimez pas ça, que vous ne me forcerez pas à recommencer. Oui, je me doutais que vous ne teniez pas à continuer ce genre de conversation. Essuyez cette pisse sur votre visage, et je ne veux plus vous entendre déconner. Si je ne ramène pas mes prisonniers, je ne serai plus maître de la prison. Est-ce que vous savez à quoi ressemble une émeute dans une prison de haute sécurité? Votre cerveau est trop petit pour l'imaginer. Alors, Weston. Voilà. Je vais vous casser les dents si vous vous foutez de moi. Ne répondez pas à côté de la question. Vous allez me dire comment trouver ce train par hélicoptère? Oui. Je vais vous montrer. Oh, je veux bien me couper les couilles si je fais tout ce chemin pour être arrêté par cette putain de porte. Merde. N'abandonnez pas maintenant. Je vous jure qu'on va s'en sortir. Comment? Je sais pas. Mais oui. Mais je sais une chose. Les gens du chemin de fer dégagent les voies. Et je sais qu'ils ne vont pas nous abandonner. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sens tout au fond de moi. Il y a des miracles.
T'es stupide. Ce que tu dis est stupide, tu t'en rends pas compte? Miracle, mon cul. On peut compter que sur soi dans la vie et sur personne d'autre. Tu crois que je vais attendre là que le miracle arrive? J'attendrai pas de miracle. Non, moi je sors et je m'en sors. Je sors et je m'en sors. Je vais sur l'autre cours, voilà où je vais. Vous ne pouvez pas y arriver, je vous le répète, il n'y a rien pour se tenir. Pas de plateforme, pas de garde-fou, vous n'y arriverez pas. J'y arriverai. Même si je dois voler de l'autre côté comme un oiseau. Je vais voler et j'y arriverai. Emily, tu peux pas y arriver. Pas avec ton bras, mais... moi, j'y arriverai. Je l'aurai, cette espèce d'enfoiré. Allez. Donne-moi un coup à boire et puis j'y vais. Merci. Hé, hey, connard, t'as vu. Vous êtes un homme courageux. Oui, je sais. Bon. Allez. Lunettes. Ça va? Oui. Les lunettes. Donc, j'y vais. Attention, j'arrive. Emily. On fait équipe. Ouais. Super génial. Super génial. Allez. Allez. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver, Bob. T'as des couilles, petit. T'as des couilles. Des couilles et pas de cervelle. Qu'est-ce que vous dites? Pas de cervelle. Pas de cervelle. C'est méchant. C'est la vérité. Vas-y, Buck. Vas-y, allez, vas-y, connard. Ou ce que tu peux pas faire. T'es un brouillard. Pourquoi je me suis allé avec ce brouillard? Lève-toi. Allez, chacha. Lève-toi. Tu m'entends? Lève-toi. Lève-toi, cul de merde. Non. Non. Fous le temps dehors. Non. 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 D'accord. Ok, j'y vais. Non, non, il se sert de vous, il se sert de vous, n'y allez pas! Tu vas y aller, connard, tu vas faire ce que je te dis, d'accord? Oui. Très bien, alors tu le fais! Si vous êtes si courageux, faites-le vous-même!
Je le ferai si j'avais deux mains. C'est pas vrai, salaud. Vous croyez pouvoir sacrifier la vie des autres à la place de la vôtre? Vous n'êtes qu'une bête. Non, pire que ça. Un humain. Un humain. Toi, tu ressors. Dehors, fous le camp d'ici. Dehors, dehors. Je ne laisserai pas aller dehors. Non, non. Ne la touche pas. Non. Je vais te tuer, Manny. Je vais te tuer. Toi, tu vas mourir, connard. Tu vas mourir. Je vais te tuer, salopard. Ne me force pas à te tuer. Je vais te tuer. Tu sais que je vais te tuer, mec. Ne me force pas à te tuer. Je vais te tuer. Allez, viens. Viens, je vais te tuer. Tu parles d'une équipe? Ne m'oblige pas, je vais te massacrer. Viens, Manny. Rentre-moi dedans. Rentre-moi dedans. Tue-le. Tu salopard, tue-le. Tue-le. T'étais mon ami. Je croyais qu'on faisait équipe tous les deux. Quelle connerie. Tu sais, tu pourras pas arrêter Rankin s'il se pointe. T'es foutu à moins que lui fasse une connerie. Tu étais un héros. Oui, t'étais un héros. Dans ce trou à merde. Pour nous tous, c'était un héros, nom de Dieu. Oh, Manny. Vous avez mis dans la merde. Que vous auriez dû m'écouter et le faire dérailler. Et qu'est-ce que nous faisons? On peut toujours le faire passer sur une voie de garage et dans 15 minutes, il sera en fin de voie et nous aurons un beau tas de ferraille. Poussez-vous. Garde Elkins, garde Elkins. Elkins, j'écoute. Gilles Gris, c'est McDonald. Oui, McDonald. C'est Barstow maintenant. Dépêchez, dépêchez. Alors écoutez attentivement et agissez vite. Vous avez une minute pour aiguiller le train fou sur la voie désaffectée. D'accord. Allez-y. Bien, 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 bien. Très bien. Eh ben, on va sauver l'usine de produits chimiques. Mais il y a toujours trois personnes qu'on va perdre.
essai très sophistiqué va être apparemment doublé. Avec le lancement le mois prochain d'un satellite météo franco-anglais. Et selon le directeur du centre spatial, M. Hogan, on a fait l'éloge de l'équipe de la dernière mission Johnston. Le rêve toujours pas réalisé. La NASA nous envoie ces images. Comment c'est arrivé? Une mission parfaitement réussie. Pourquoi on n'a pas pu l'arrêter avec tous ces trucs? L'atterrissage impeccable de la navette. Je veux dire, avec toute cette technologie. Mais on y garde. Il ne s'agit pas d'un vol de routine. Nous ne sommes encore qu'au balbutiement d'une technique. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. Mise au point que soit ce genre de mission, elle est toujours aussi dangereuse. Et ne s'effectue que grâce au courage de quelques aventuriers. Je devrais dire les pionniers. J'ai gagné!
Hein? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont abandonnés. Ils nous ont déviés de la voie principale et aiguillés sur une voie sans issue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va s'écraser d'une minute à l'autre. Sortir. Oui. Tout va bien se passer. On meurt toujours tout seul. Allez, Anton! Bien, connard! Je suis là! Je suis sorti pour vous maintenant! Arrête-toi! Je suis sorti pour vous! J'y reviendrai jamais! Jamais! Tu me tueras jamais! Jamais! Je suis sorti, t'entends? Tu m'arrêteras jamais! Tu passeras pas sur l'autre loco, Manny! Je suis libre maintenant! Tu m'arrêteras jamais! Prends-en de la graine, connard. Tout est dans la caboche. Je vais passer sur la loco de tête. Je vais y arriver. Je vais passer. Regarde-moi. Vivant? Est-ce que Jonah est vivant? Oui.
Oui. Tant mieux. Il va être heureux. Fais pas ça, Billy. Tu joues ta peau et tu sais que tu vas la perdre. Appuie sur le bouton. On est sur une voie sans issue. On va s'écraser dans 5 minutes. Ah, on va passer 5 minutes agréables ensemble. Tu te prends pour un héros, hein? Quel con. Tu n'es que de la merde. On est tous les deux de la merde. Je ne te lâcherai jamais. Je ne te laisserai jamais libre. Je suis libre, Röntgen. Je suis libre. Tu crois avoir gagné? Moi aussi, je sais mourir. Gagner ou perdre, quelle différence? Et le petit minable et la fille. Ah non, c'est entre toi et moi.
bête la plus féroce connaît la pitié. Je ne la connais pas et ne suis donc pas une bête. Richard III, William Shakespeare.